Bienvenue dans cette vidéo de sécurité informatique. Cette vidéo a pour but de vous présenter un logiciel gratuit vous permettant de nettoyer votre ordinateur de certaines menaces, puis de vous faire une démonstration pratique de ce logiciel. Ce logiciel s'appelle CCleaner. Tout d'abord, petite explication concernant le nom du logiciel. La lettre C fait référence à crap, qui se traduit par déchet, et cleaner par nettoyeur. Le logiciel a été créé en 2003. Il a ensuite été récupéré par la société produisant Avast en 2017. Ce logiciel a pour but de supprimer les fichiers inutiles, comme le contenu de la corbeille, les fichiers temporaires, le contenu du presse-papier et les fichiers journaux de Windows. Passons maintenant à la pratique. Dans cette partie de la vidéo, je vous guiderai pas à pas en vue de récupérer le logiciel et vous indiquer le fonctionnement de base de ce logiciel. Pour récupérer le logiciel sur Internet, le lien est dans la description. Hormis cette procédure, je vais vous accompagner pour récupérer ce logiciel via votre navigateur Internet. Ouvrez votre navigateur Internet en cliquant sur l'icône adéquate. Dans la barre de recherche, tapez CCleaner. Cliquez sur le premier lien que vous présente votre navigateur Internet. Vérifiez bien que vous arrivez sur la page du fournisseur officiel. Vous observez une colonne avec marqué « Gratuit » dessus. Descendez un peu dans la page et vous apercevrez un bouton vert avec écrit dessus « Téléchargement ». En cliquant sur ce bouton vert, le téléchargement se lance et se charge sur votre poste de travail. Une fois le logiciel téléchargé, rendez-vous dans votre dossier de téléchargement. Localisez le logiciel que nous venons de télécharger. Effectuez un double clic dessus. La fenêtre d'installation de CCleaner s'ouvre devant vous. Vous avez la possibilité de modifier la langue en cliquant en haut à droite. Une fois la langue sélectionnée, cliquez sur le bouton bleu « Installer ». Une fois l'installation de CCleaner terminée, cliquez sur « Lancer CCleaner ». Vous voilà devant l'interface de CCleaner. Je vous invite à fermer toutes les fenêtres en cours d'exécution sur votre poste de travail. Fermez votre navigateur Internet, vos dossiers, vos travaux en cours, etc. La seule fenêtre qui doit rester ouverte, celle de CCleaner. Sur le côté gauche de la fenêtre de CCleaner, 6 boutons sont alignés verticalement. Cliquez sur le deuxième en partant du haut, celui indiquant « Nettoyage personnalisé ». La partie centrale gauche de la fenêtre vous présente les différents points qui seront traités durant le nettoyage. Laissez la sélection comme elle est présentée. Cliquez sur le bouton bleu avec écrit « Nettoyer » en bas à droite. Laissez le logiciel travailler, cela peut prendre de 5 minutes à 1 heure selon les capacités de votre machine. Une fois le nettoyage terminé, un rapport vous montre en détail les données qui ont été supprimées et la quantité d'espace gagnée par le nettoyage. Nous allons procéder au nettoyage suivant. Cliquez sur le troisième bouton en partant du haut, nommé « Registre ». Une interface un peu identique vous fait face maintenant. Une série de cases cochées vous montre les différents registres qui vont être traités durant l'analyse. Cliquez sur le bouton en bas à gauche, nommé « Chercher des erreurs ». Laissez le logiciel travailler, cela peut prendre jusqu'à 5 minutes. Une liste des différents registres endommagés ou inutiles vous sont présentés. La liste entière est préalablement sélectionnée. Vous pouvez cliquer sur « Corriger les erreurs sélectionnées ». Une proposition de sauvegarde des registres vous est faite. Cliquez sur « Non ». Cliquez ensuite sur « Corriger toutes les erreurs sélectionnées ». CCleaner vous indique que les erreurs sont réparées. Cliquez sur « Fermer ». Vous pouvez maintenant fermer toutes les fenêtres liées à CCleaner. L'analyse est terminée. Je vous remercie d'avoir consulté ce tutoriel.